myself. Take me right back to the start. Eh bien salut tout le monde, c'est Colin. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, ça va super les amis. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver dans mon LP Survie. Aujourd'hui, on va commencer l'épisode 6. Alors attention, je prépare du lourd, mais je vais pas vous le dire maintenant. Donc tout d'abord, je vais déjà montrer ce que j'ai fait en off depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps que vous attendez cet épisode 6. Donc tout le monde s'est demandé si à l'épisode 6 j'allais faire la maison, donc non, la maison viendra pas tout de suite, elle viendra beaucoup plus tard. Si vous voulez que je vous montre, j'ai un peu avancé, donc j'ai vraiment torché, vous verrez quand ce sera la nuit, j'ai vraiment torché tout autour de ma base, donc vraiment très loin. Donc là vous voyez déjà, c'est énorme et j'ai été beaucoup plus loin que ça, je vous le montrerai quand je ferai un world tour. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais vraiment j'ai torché énormément la zone, comme ça on verra plus de mobs à des kilomètres. Ensuite ici donc j'ai fait une toute petite usine semi-automatique donc pour les pastèques et les citrouilles. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc tout simplement vous allez mettre par exemple ici tout le long les plantes de citrouilles. Donc vous allez faire en sorte que les citrouilles se placent ici dans la zone d'herbe. Donc n'oubliez pas de bloquer les coins pour pas qu'il y ait une citrouille qui s'installe ici, sinon ça ne marchera pas. Au milieu vous mettez des torches pour que ça pousse beaucoup plus vite. Là où il y a cette rangée de blocs, en dessous j'ai mis de l'eau. Donc n'oubliez surtout pas ça. Pour que les plantes restent en vie, hein. Faut pas qu'elles crèvent, faut pas qu'elles fanent. Ensuite vous allez mettre une rangée de pistons. Donc les pistons normales, pas des collants. Vous allez mettre une rangée derrière ces pistons de blocs au choix, hein, comme vous voulez. Moi j'ai mis la brique de pierre, enfin de la pierre taillée. Et juste au-dessus vous allez ajouter de la redstone et ensuite un petit bouton tout au bout. Quand vous cliquez dessus, voilà, ça va tout casser. Comme ça, il n'y a plus qu'à récolter et comme ça, vous n'embêtez plus à utiliser une hache, à l'utiliser pour rien du tout. À chaque fois, elle va se casser. Vous allez devoir, en gros, voilà, c'est une question d'économie et de rapidité. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Bah, ici j'ai fait un enclos pour les toutous. La table d'enchant, elle est au niveau max. Après, je pense que c'est bon. Ici, je suis en train d'étendre le territoire, donc je suis en train de casser toutes les montagnes à la pelle et à la pioche. Ici aussi, j'ai commencé à tout raser. Et là-bas, alors le plus intéressant, je sais pas si vous en souvenez, mais si vraiment vous avez envie de voir le changement, revoyez les épisodes précédents de mon LP en survie. Mais j'ai rasé ici toute la forêt. Avant ici c'était des arbres. J'ai tout rasé jusque là-bas. Ici c'était toute une forêt entière vraiment bien recouverte. J'ai tout rasé. Pourquoi? Plus tard j'aurai besoin pour installer des bâtiments et des usines bien évidemment. Donc je prévois à l'avance. Je déforeste. Ouais je sais, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'avenir. C'est pas bien pour l'écologie. On s'en bat les couilles. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, les amis, pour l'épisode 6, qui sera très rapide, on va faire une usine à fleurs. Donc, les fleurs, pas les petites, mais ces fleurs-là, bien évidemment. Il n'y en existe que 4. Donc, les tournesols. Ceux-là, je ne me souviens plus du nom. Bon, pire, on s'en fout. Voilà. Vous voyez les 4 plantes. Donc, je vais vous montrer. En fait, un système redstone, donc coûteux, on va dire non. Même s'il faut quand même des comparateurs de redstone, donc c'est ça le plus dur à avoir, les comparateurs. Donc pour cette usine, en fait, quand vous prenez de la poudre et que vous la mettez sur une plante, ça va la dupliquer, voilà, comme ceci. Et donc on va faire un système automatique pour justement dupliquer ces plantes. Donc bien sûr, ça va fonctionner avec de la poudre de l'os. Et pour ça, si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement pour réaliser cette usine, d'être rempli d'os et de posséder pour cela une usine à squelette. Donc si vous n'avez pas d'usine à squelette et que vous trouvez un spawner, je vous invite à revoir l'épisode 4 de mon LP en survie pour en faire une. Elle est très efficace, vraiment bien rentable et elle coûte quasiment rien du tout. Donc pour ce système, vous allez placer... Ah, attendez, je vais peut-être enlever la plante. Vous allez placer deux distributeurs, comme ceci. Ensuite, juste ici, vous allez mettre
Attendez, que je réfléchis. Voilà, ici vous allez mettre un comparateur. Ouais, c'est bien ça. Deux poudres, comme ceci, derrière le distributeur. Juste au-dessus, vous allez rajouter deux blocs au choix. Donc moi j'ai mis de la brique pour faire plus beau. Et vous allez en mettre un juste en face du comparateur, comme ceci. Ici, vous rajoutez une poudre devant ce comparateur. Vous le mettez en mode négatif. Voilà, donc ce système que je suis en train de vous faire, c'est ce qu'on appelle une cloque. Une cloque très rapide, donc qui va vraiment être très efficace pour dupliquer très rapidement ces plantes. Et ensuite, vous allez mettre un conduit de redstone, voilà, jusqu'au distributeur au-dessus. Voilà, parfait. Et ensuite, vous allez prendre, donc moi, je vais décorer avec de la brique, vous pouvez recouvrir comme ceci. Voilà. Parfait. Et juste ici, vous allez devoir mettre le levier car derrière j'ai mis la redstone. Et quand vous activez, voilà, vous entendez le bruit, vous entendez la cloque. Et bien évidemment, il faudra la remplir avec de la poudre. Donc la poudre, si vous voulez, je peux me la faire tout de suite. Et je vais vous montrer le résultat. Alors vraiment très efficace. Vous allez voir, ça duplique. Alors vous pouvez en 10 secondes obtenir facilement un stack de cette plante. Je vais vous montrer ça. Voilà, parfait. Donc après, faut remplir. Bon là, j'en ai pas beaucoup, mais plus tard, j'en mettrai en masse. Voilà. Donc on va tester. Une, deux, trois, cinq, six, sept, huit, 9, 10, c'est parfait, je sais compter jusque 10, c'est génial. Mais surtout, c'est ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Regardez, en 10 secondes, les amis, je suis déjà à 2 stacks de lilas. Donc, c'est cette plante, regardez, en 10 secondes, j'ai eu 2 stacks de cette plante. Franchement, les amis, c'est incroyable. Franchement, cette usine, je vous la conseille. Mais pour cela, faut avoir beaucoup de poudre d'os et, dans ce cas-ci, une usine à squelette. Que vous soyez actif dedans, d'ailleurs, faut être actif dans cette usine. Donc ce que je vais faire les amis, je vais faire une toute petite coupure, donc je vais faire de même avec les autres, et vous verrez à la fin, donc je vais décorer un petit peu autour, je vais préparer des rangements, et vous verrez le résultat final. Donc je vous dis à tout de suite. Et re les gens, donc c'est bon, j'ai terminé la déco, et j'ai construit les autres systèmes pour les autres plantes. Donc les amis, avant de se quitter là, hein, je vous propose qu'on fasse les fous, qu'on allume tout, voilà. Allez, on fait les malades. On va voir à la fin combien on a eu de plantes. Laissez tourner un peu. Donc les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour votre survie. Donc cette usine, vraiment, elle est faite pour la décoration. Donc moi, je l'utiliserai plus tard. Donc là on a un stack. Donc voilà, il est vraiment simple à reproduire. Donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Même si cette vidéo, même si vous venez un an plus tard sur cette vidéo, je serai toujours là pour répondre aussi. Donc sur ce, on va fixer un objectif 30 likes. Je sais que vous pouvez réaliser cet objectif. Je crois en vous. N'hésitez pas à commenter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou vraiment dire ce que vous pensez de cette usine. N'hésitez surtout pas à partager et vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Throw your motherfucking hands up!